La Brasserie Saint-Sylvestre, c'est une entreprise familiale et indépendante depuis 1920. Je la dirige aujourd'hui depuis 2011. On a pour objectif de fabriquer des bières typiquement flamandes. La brasserie fait 70 000 hectolitres cette année. On progresse environ de 5 à 10% par an. Le marché de la bière est plutôt dynamique. Depuis longtemps, on a un partenariat historique avec les malteries soufflées. À l'époque de mon grand-père, de mes oncles, on travaillait, on collaborait déjà ensemble parce que vous avez des malteries dans la région, à Saint-Saulve, à Prouvier, autour de Valenciennes en l'occurrence. Et on a à cœur de se fournir au plus proche de chez nous. Vis-à-vis de nos consommateurs, on a un devoir de sincérité sur l'endroit de production de nos produits et aussi l'origine des matières premières. Et en l'occurrence, ils ont fait des gros efforts pour nous fournir des malts qui sont d'origine nord de France, ce qui a une valeur importante dans le cœur du consommateur des Hauts-de-France, du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. La force de la malterie soufflée, aujourd'hui pour nous, c'est d'avoir la capacité de fournir des brasseries comme les nôtres, avec des volumes qui sont pour nous significatifs en malt assez classique de rang de printemps, Pilsen, mais aussi d'avoir la possibilité de nous fournir dans des styles de malt un petit peu moins fréquents, sur des quantités et des volumes qui sont moins significatifs. Et cette agilité, elle est très utile pour des brasseries comme les nôtres, qui sont sans cesse en recherche de faire des nouvelles bières, des nouvelles saveurs. Alors la labellisation saveur en or, ça s'obtient par une traçabilité qui doit être exigeante aussi bien à la brasserie qu'aussi en amont dans le sourcing de nos produits. Il faut que l'or pousse dans le nord, il faut que le malt soit transformé dans le nord et ensuite il faut que la bière soit brassée dans le nord. Donc c'est effectivement le travail de toute la filière, du malteur jusqu'au brasseur. Avec la malterie soufflée, c'est essentiellement au quotidien des échanges d'ordre logistique. Plusieurs fois par an, c'est des échanges d'ordre commerciaux. Et quelques fois par an aussi, c'est des échanges d'ordre qualité, suivi culturel par rapport à la qualité des orges auxquelles s'attendre les années suivantes en fonction des conditions climatiques. Rencontrer son malteur, ça a une saveur particulière parce que le malt, finalement, c'est un peu le début de la bière et le travail du malteur est capital. Pour avoir un travail de brassage qui soit facilité et une qualité de bière qui soit optimale. Si on a des bonnes qualités d'orge brassicole en France qui sont parmi les meilleures du monde, c'est grâce à des acteurs comme la malterie soufflée. Et si notre travail de brasseur est facilité aujourd'hui, c'est grâce à des entreprises comme la vôtre, grâce à vos recherches et développement, grâce à la qualité de votre travail qui nous permettent de travailler en confiance avec des matières premières de qualité.